can't be any worse than in here. Can it? We're shitty people, Joel. It's been that way for a long time. No, we are survivors. This is our chance. It is over, Tess! People, Joel, it's been that way for a long time. What are you so afraid of? You're treading on some mighty thin ice here. What do we do? You make every shot count. You see, I believe everything happens for a reason. We don't have to do this. You know that, right? After all we've been through. Everything that I've done. Hey, salut tout le monde, c'est Priya, j'espère que vous allez bien les amis. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 4. C'est notre jeu The Last of Us. J'espère que vous allez tous et toutes bien les gars. Très heureuse de vous retrouver, je suis en avance. Merci beaucoup Jacques, c'est gentil pour le partage. Je suis un peu en avance, donc voilà, j'ai 15 minutes d'avance pour les personnes. Pourquoi ça m'a bugué cette merde? J'étais bien moi, c'était tout cool. Alors c'est parti. On s'était laissé, on était ici. Donc on va voir à peu près ce qui nous attend derrière cette porte de merde là. On avait bien géré quand même. Salut Victor, comment ça va? Ah oui, par contre, je vais vous mettre le salon si vous voulez. Hop. Les personnes qui veulent. Voilà le camion, juste devant le lycée là-bas. Allez. Encore ça va, c'est pas les plus difficiles. Hein. Essayez de pas faire de bruit. Combien on a là? Je peux rentrer dans la baraque? Non. Ah mais c'est là où on est en fait. Alors il y en a un là-bas. Je pense que je vais lui buter sa gueule à celui de là-bas là. Alors attendez. Salut Tanguy, comment ça va? Coucou Céline, ça va bien? Ça ne va pas qu'elle me voit cette conne. Hein. Mais dégage-toi. Je voulais pas utiliser mon surin. Mais voilà. Bon, j'en ai deux, ça va, mais bon. Par contre, je vais me mettre en hauteur, c'est ce que j'avais fait là, à l'époque. J'étais montée sur la voiture. Et j'étais montée sur le bus. Et je les avais butés tous de là-haut. Par contre, je pense qu'avec le fusil, ça peut être pas mal, mais je vais peut-être plus les buter. Oui, tu es où, toi? Allez, bouge de là. Ça c'est bon. Ok. Good. C'est mieux par là. Salut Greg, comment ça va? Je me suis dit, il y a un problème, tu es en avance? Oui, je suis un peu en avance parce que j'ai des copines à la maison. Donc voilà, vu que j'ai des copines à la maison, je veux pas finir trop tard non plus. C'est pour ça que j'ai commencé un tout petit peu en avance, les gars. Mais voilà, c'est ça ce que je me dis. Parce qu'après, ils vont être beaucoup plus costauds, les cons. Là, c'était les faciles, ceux-là, donc bon. Je vais quand même checker ce qu'on a tout autour, là. Putain, j'avais bien réglé mon truc sur le côté. Je sais pas, il s'est déréglé, le machin. Chier. Bon, par contre, par où on va passer? Parce que là, c'est barbelé. Là, c'est barbelé aussi. Par là. Oh putain! Bon, la coup de poing, mec! Le temps que tu recharges, t'es dans la merde! Sur ta droite!
Mais merde, pourquoi tu mets 3 jours à respirer, mon gars? Oh, c'est bon. Sa gueule. Pauvre cloche. Allez. Il met 2 heures pour recharger son arme. Ma foi, je m'attendais à pire que ça. Ouais, c'est vrai. Se planque peut-être ailleurs. Mais oui, se planque. Tu crois quoi, eux, ils étaient faciles, mec. Risque. Comment on fait pour entrer? Quelqu'un a laissé une échelle sur le... Salut, mon Ludo. Fais-moi grimper pour que je la descende. Ok, mec. Je te fais grimper, comme l'horreur, putain. Go, go, go. Ah bah ouais, ça va. Essaie de ne pas te faire tuer. Merci, Bill. Oui, ça c'est bon. Tout va bien. Il faut qu'on accède au capot du camion. Ouais bah... J'aime pas trop cette histoire là. Il va y avoir des zouloutes. Merde, vous entendez? Ils arrivent. Vite, petite. Tu veux aller où? Alors on entre en vitesse, on récupère la batterie et on fiche le clone ici. Allez, magne-toi. Elle s'est fermée à clé. Il faut qu'on entre pour atteindre la batterie. Allez, Bill. C'est bon, on peut y aller, vite. Allez, maniez-vous. Allez, putain de merde. Ma chère Bibi. Non, ta gueule. Ça va pas tenir. Bill, dépêche-toi. Non, je t'entends pas, Victor. Allez, dis-moi que t'as fini. C'est vite. Quoi? C'est vite, putain. Les gars. Bill, on va où? On va où? Pas là, en tout cas. Allez, mine-toi, tu viens. C'est la merde. Allez, cours! Oh putain! Oh! 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 Mais il faut que je me casse là! J'arrive pas à sortir mon arme, des merdes! Casse-toi! Je vais crever! Je vois rien! I'm dead. Je suis morte. Salut Jean-Paul, comment ça va? Ah, faut que je me prenne le fusil direct parce que là c'est pas bon. J'avais l'arme à la con là. Lui il a tiré ce con, il les a tous alertés. On pourrait passer par les salles de classe. Non, papa, t'as de récupérer. On est bon. Attends d'abord. Putain, les boules. Faut d'abord checker ce qu'il y a autour. Tu veux pas, moi? Ok. Et un passage. Oh putain, mais ils sont 3000. Crève. Ah!
Allez, dégage. Par contre, je viens de voir un truc que je vais pouvoir récupérer. Là, je vais prendre la batte de baseball parce que j'ai pas percuté que j'avais plus rien, moi. On est bon. Good, good. Y'a quoi là-dedans? Putain, mais 3 milliards de personnes. On dirait qu'il y a un passage dans le couloir. C'est bon. Si je peux les buter avec la batte de baseball, ça m'évite d'utiliser des armes. Franchement, je le fais. Hein. Alors là, il y a un passage ici, non? Ouais, mais attends, j'ai raté plein de trucs là-bas, alors. Parce qu'en fait, au final, j'ai pris le bon chemin. Mais il y avait encore plein de trucs dans les autres endroits. V. Voilà, non. On va rebrousser chemin. On va d'abord checker ce qu'il y a. S'il n'y a pas les trucs à l'étage, là. Là, je peux pas monter, on est bon. Parce que je veux rien bâcler, parce que sinon, c'est la merde. Là, on peut pas. Je pense que c'est bon. Allez. Mais ça va pour le prochain. C'est qui déjà? Ne me dis pas que ça y est, on va avoir les colosses. Ça me ferait chier. C'est quoi ça? C'est une bouteille. Bon, on est bon là. Par contre. Je vais privilégier le surin parce que le surin il est super efficace sur les tarés là. Ça évite que je crève. Let's go. C'est parti. Alors, je crois que c'est ça, on va rencontrer un colosse. Aide-moi à l'ouvrir. Prêt, je m'en rappelle. Ok, prêt. Putain. Encore. Le boss. Allez. Big boss! Barricadez les portes! Ça marchera pas longtemps. C'est pas bon signe. Non. Bonjour! Putain, c'est quoi ça? Oh putain! Un quoi? Elle est à l'abri! Je m'en charge. Putain. Mais s'il fait chier. Faut qu'on grimpe là-haut. On pourra pas monter dans les grimpeurs avec tout. Oh putain, vous l'avez pas vu ce con. Casse-toi. Je crois que j'ai que ça à foutre, mec. Je sais que les colosses, à la base, les cocktails, ils sont mauvais pour eux. Je me rappelle qu'à l'époque, je les avais butés avec les cocktails. C'est bon. C'est pas vrai. C'était quoi ce truc difforme? Ce truc difforme. Qu'il est infecté. On les appelle les colosses. Un colosse. Ok, j'ai. Vraiment navré d'interrompre votre cours de biologie. Mais ben non, tu vois, là, les deux molotovs, ça n'a pas été réglé au final. Hein. Je vais en envoyer deux, mais c'est pas grave. Allez, on monte sur les gradins. Un peu plus costaud. Aide-moi, Joël. Comment ça, je suis pleine? Non, là, je peux pas le prendre. Ah, c'est une. Ok, je vais... c'est une boîte. Salut Sarah, comment ça va? 10 heures de route à faire, puis je suis chez moi. Ah bah oui. C'est bien ça. Attends, avant de faire, mec, moi je récupère tout ce qu'il y a récupéré. Hein. Copain, c'est le bordel. Donc ça, on n'est pas trop mal. Comment elle est mon arme là? Je peux pas l'améliorer de toute façon. Par contre, je peux me refaire un cocktail. Je vais même en faire un deuxième parce que j'ai trois trousses.
Donc c'est pas mal d'en avoir un deuxième. On en reste. Ah bah je vais la prendre celle-là parce que je crois que la mienne, elle est en mode je vais canner. Bon, je pense qu'on a l'air d'être ok. Là, il y avait quoi là-dedans? À part le taré. Ah, oh là, les cadeaux! Oui! Attends. Ah, Kena, ouais, semaine prochaine, dimanche normalement, Kena. Le 19, je crois qu'on a accès au jeu. J'avais vu ça. J'avais vu que c'était le 19 quand tu les as précommandés. Donc je pense qu'on sera bon. Allez, on est bon, on y va. Allez, on y va. Ok. C'est parti. Salut, As de cœur, t'es d'humeur à faire chier tout le monde. Ok, okay, allez. Ah bah ouais, si tu m'étonnes. Joël, derrière. Il n'en reste plus qu'un. Règle-lui son compte. Allez. On va pas utiliser nos armes, hein. On va le prendre à coup de poing dans la gueule. C'est bon. Allez, je déteste ces trucs. Pauvre mec. T'es nul. Allez, vas-y. Vraiment, tu les as eus. Aide-toi. On va être déçu, Kena. Franchement, j'ai vu le thriller, je suis pas déçu du tout. Hein. Comment ça, il est aussi bugué? Il a pas. Je vois pas de quoi tu parles, de cœur. On n'est pas à l'abri ici. Il y a une autre échelle là. Allez, maniez-vous. Je suis derrière vous. Ouais, ça va être bien les photos. Laissons vite. C'est le bordel. Oh. Bon, on s'en est bien sorti. Ok. Je vais aller inspecter cette partie de la maison. Salut ma petite Mylène, comment ça va? Quelqu'un a eu la même idée, on m'a volé mon matos. Alors maintenant, c'est quoi le plan B? Tu devrais t'estimer heureux d'être toujours en vie. C'était le plan A, B, C, et comme ça jusqu'à Z. Et tant que tu y es, dis à Tess que son putain de boulot... Ne mêle pas Tess à ça. Elle peut se tout ça n'a rien à voir. Putain. C'est son pote. Quoi, tu connais ce type? Franck. Et c'est qui, Franck? Mais super bien, merci beaucoup, Mylène. C'était mon partenaire. Il n'y a pas deux crétins pour porter une chemise comme ça. Il s'est fait mordre. Ici. Et... Je suppose qu'il voulait pas se transformer. Alors... Je sais pas, je vais regarder Woken, ouais, mais... T'as raté ça. Le gros colosse, Aurore. Tant pis pour lui. Il était bien dégueulasse en plus. Hé, hey, regardez ce que j'ai trouvé. Elle démarre encore. Rip le partner. Quel enfoiré. Descends. Ben voilà, on a une bagnole. C'est bon, ça va. Ah, on n'en a pas. Oui, on en a un. Je sais pas, je connais pas ce jeu. Plat, mais... Je vais regarder. Les accus fonctionnent. Du coup, on la pousse, on la démarre et l'alternateur va recharger la batterie. Ça dépend, As de cœur. Moi, j'ai des goûts assez. Écoute, tu voulais un plan B. C'est tout ce que j'ai à t'offrir. Je vais regarder. Il parle de Wukong. Je sais pas ce que c'est. Wukong. J'en dis que tu conduis et qu'on pousse. Pousse, petite. Tiens, oh, putain, ça va être de la merde, celui-là. Je m'en rappelle. Encore des trucs à moi. Je suis pleine. Alors quoi, tu vas juste me piquer ce que j'ai et filer, c'est bien ça, Franck? Tu devrais aller fouiller la maison. Il trouvera d'autres trucs. Ouais, bonne idée. C'est ce que je suis en train de faire, copain. Fais-moi signe quand tu seras prêt à y aller. Je te préviendrai. Oh mais après, c'est pas la beauté, c'est le gameplay. Ça dépend comment il se joue, le jeu.
T'as des jeux qui sont magnifiques et le gameplay, il me plaît pas du tout, tu vois. La manière de jouer et tout. Tu vois, le jeu Plague Tale, je l'ai adoré. J'ai regardé la fin, mais je pourrais pas le faire. Hein. J'ai vu la fin, les gars, je vous le mettrai en vidéo, mais la fin, je le ferai pas. C'est trop la merde. J'ai regardé, j'ai dit, mais j'y arriverai jamais. Et l'autre, il avait une technique pour buter les mecs, mais vu lui, il avait son lasso, il pouvait tirer de super, super loin, le mec, en fait. Et moi, j'ai pas assez de distance. J'aurais dû mieux augmenter mes machins. Il n'y a pas des armes. Je suis pleine sur celui. Ah non, je suis pas pleine. Vas-y, rembobine, mec. Voilà, on est bon. Là, on peut pas aller. Merci. On est bon, là, c'est bon, on se casse. Ça va être la mouise. Je m'en rappelle plus, mais je sens que ça va être la mouise. Ça pue. Ok, c'est parti. Ouais, merci. C'est la première. Infiltration et combat, je verrai. C'est déjà fait. Garde le pied sur l'embrayage. Et quand ça commence à rouler... Je sais passer une vitesse. Comment tu sais ça? En fait, je m'en fous, mais fais pas tout foirer. Ok, Ellie, prépare-toi. Maintenant, vas-y. Accélère. Parfait. Hey, bien joué, petite. Il va y avoir les zoulous. Mais c'est lui qui m'a buté par toi, tête de con, là, pas toi. Allez, dégage. Cloche. Ça va être ce côté-là maintenant. Faut qu'on aille plus vite. On arrive à attendre. La colline. Ouais, moi je vais se faire buter la gueule. Oh non, papa. Connasse. Mais crève. On n'a plus beaucoup de temps, on retourne pousser. Allez! De ce côté-là, maintenant, on se doit faire droite-gauche, droite-gauche, ou gauche-droite-gauche. Droite. Tu m'as sauvé en l'air. Tu le sais, ça, Joël, hein? Les gars, de ce côté! Voilà! Oh putain! Putain, mais heureusement que j'en ai deux de surin! Je me rappelle plus combien il y en a de trous duc. Salut Alex, comment ça va? Ellie, prépare-toi. Il y en a encore. Vas-y Ellie, démarre. Toujours pas. T'entends ça, Bill? Allez. Ouais, ça veut dire que les infectés l'entendent aussi. Comment... Merde. Comment utiliser une balle pour rien? Ouais, esquiver. Allez, monte. Go, go. Bye. A plus dans le... On dirait des crevés. Ok, c'est bon. Stop. Laisse-la tourner, ok? Cette gamine a failli nous faire tuer. Admets-le. Elle s'en est bien sortie là-bas. Toi, tu vas y laisser ta peau. Oh, oh. Tiens. C'est quoi? T'imagines pas le nombre de caisses qui contiennent encore de l'essence. C'est sympa. C'est vrai, il va falloir qu'on cherche l'essence et tout. On peut ton pote tout à l'heure. Même quand je confonde. C'est vraiment moche. Peut-être dans le 2 qu'on se bloque, qu'on a l'essence à trouver. Je m'en rappelle plus. On est quitte. On est quitte. Alors foutez le camp de ma ville. De ta ville d'infectés? Ah oui, on va se casser.
non! Eh, tu devais pas dormir? Ok. Je sais que ça en a pas l'air, mais ce truc-là, c'est pas mal. Il y a qu'un problème. Regarde, la suite prochainement. J'ai horreur du suspense. Où t'as trouvé ça? Chez Bill. Ah oui, je m'en rappelle de ces cons là, ils font chier. Et t'as pris quoi d'autre? Ben... Tiens, ça te rend un peu nostalgique? Tu sais, ce truc date en fait d'avant mon époque. Oh. Mais c'est une belle trouvaille. Bon, c'est mieux que rien. Non. Je suis sûre que ton ami va regretter ça ce soir. Mm-hmm. Y a pas grand chose à lire, mais les photos sont intéressantes. Non, Ellie, ça c'est pour les adultes. Wouah! Comment il peut arriver à marcher avec ce truc entre les jambes? Allez, jette-moi ça! Attends un peu, je veux comprendre pourquoi ça vous passionne autant. Oh. Pourquoi les pages sont collées? Je m'en fous de ta gueule, c'est tout. Allez, salut! Énorme, j'adore. Tu sais quoi? C'est pas si mal, en fait. Pourquoi t'essaierais pas de dormir? Je suis même pas fatiguée. Je suis même pas fatiguée à la canne. Oh non, non, non. Ah, super. On fait quoi? Pas par là. Voilà, fait chier. T'as raison. Doucement. Pitié, aidez-moi. Est-ce qu'on va l'aider? Attache ta ceinture, Ellie. Et ce type, alors? Oh, il est pas blessé. Alone in the sick, on my feet and my fam. Oh Lord, if you hear me. C'est parti les gars, vous êtes prêts? Vu que c'est des vrais mecs, je pense qu'avec les flingues classiques, ça sera peut-être un peu moins chiant pour les buter. Ça va, je vais bien. Alors descends, vite. Oh merde! C'est pas grave, as de cœur, je regarderai. Moi, tu me fais ça, mais je suis déjà canée. Eh oui. J'essaie de me tuer, je te bute ta gueule. Je vais t'apprendre. Tu vas voir. Oh, ta gueule. Putain de merde. Allez. Qu'est-ce qu'ils tournent pas rond chez eux? Reprends ton sac. On s'en va. Ok. Attention. Merde. Baisse-toi. Ok. Je me rappelle qu'il y en avait un qui était venu par là, je crois. Je déteste ce type. Ouais, moi aussi, meuf. Cette espèce de tête de cul. Ils sont où ces cons? On en a un là. Ok. Pourquoi tu es debout? Ah non. Je pense qu'il était debout, ce con.
Ok. Couvre-moi, j'y vais, je vais te buter ta gueule, sale. Oh merde, je t'ai pas vu. Oh merde. Ah mais ils sont deux. Lou. T'es mort ? Pauvre cloche. Sur le bus. Black, ok, bah, vous parlez du jeu, donc ça c'est bon. Y a rien à récupérer. On en a deux. Je vais me mettre bien au fond. Putain. Mais tu m'emmerdes. C'est pas le moment pour moi de crever. Ah non. Est-ce que j'ai dit c'est pas le moment pour moi de crever? Le premier jeu qui parle de légende. Ok, je vais peut-être rester plutôt à l'intérieur, ça va être de la merde sinon. À l'extérieur, ils ont plus de facilité, je trouve, pour me choper la gueule. On reste là. Des morts. Toi aussi. Merci Fofona pour le follow. Ok. Pour l'instant, on est bon là. Donc deux coups, ouais, il meurt, donc ça, ça va. Je pense que le mieux, c'est de se mettre là. Hein. Il y en a un là, là. Il est mort. Bon, je crois qu'on les a tous eus. Ça va? Ouais, je crois bien. C'est bon. Tant mieux. Parce qu'on doit foutre le camp d'ici. Va voir s'il y a quelque chose d'intéressant à récupérer. Bien reçu. Alors. C'est un 4K, ok. Trop dur pour toi. Voilà, ça dépend. Moi, les jeux qui sont durs, ça me plaît pas. Je vous le dis direct. Les jeux difficiles ne me plaisent pas du tout. Moi, j'aime bien quand tu peux avoir le degré de difficulté. Parce que voilà, moi j'aime bien observer les choses et ça se passe rapide. Donc, bon, on avait tout récupéré là, ça va. Y a rien dans les frigos là? Non. Non. On voit rien. Ça c'était quoi? Je suis pleine, tu peux voir. Ah mais oui! On est bon. Roki Dodoki. Ah, God of War, j'ai adoré. God of War, je l'ai fini, donc ça va. Bon, je l'ai fait en mode facile, God of War. Tous les jeux, je l'ai fait en mode facile. Il n'y a rien dans ce bled. Voilà. Voilà. Putain, je suis pleine encore. Ok, je suis à bloc sur tout. Par contre, attends ça. Non, c'est pareil, il me faut les ciseaux. T'as pas des ciseaux? Non.
Ok. Et là, toujours pas ce que je veux. Moi, je veux des ciseaux. Je crois que c'était ça, hein. Ça a toujours été les ciseaux les plus chiants à récupérer. En tout cas, hors de question qu'on ressorte par là. Ah oui, c'est sûr, c'est un gros bordel, ton machin, là. Bon, alors, on va se casser par là-bas. Je sais pas par où. Alors, elle avait une sortie, non? Ah ouais, pardon. Allez! Vas-y! Essaie de... Je l'ai vu Star Wars, j'ai pas accroché. Il y a des trucs vraiment dégueux par ici. Allez! Ouais. Ok, vas-y! Je veux regarder de toute façon. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon! Regarde. Oh, dégueulasse. C'est trop glauque. Ah non, c'est un jeu qui est pas sorti, mais il y a un thriller, il y a quelque chose sur ce jeu. Sinon, j'attends qu'il sorte. J'attends qu'il sorte, j'attends de voir sur le site d'un youtubeur et puis c'est tout. Ça, genre comme ça, je regarde. Alors, qu'est-ce qu'on a? Chaussons. Non, c'était juste une liste. C'est des cannibales ou quoi? Je m'en rappelais plus. Cette espèce de taré là. Ah. Convection un fumigène. Ah, c'est pas mal les fumigènes. Ça, on peut se casser. Foutu chasseur. Ça aurait pu être nous. La vache. Tous ces gens ont vraiment pas eu de chance. Ah ben ouais, là j'attends avec impatience Horizon, j'attends God of War avec impatience. Il y a aussi Hogwarts Legacy aussi qu'on attend avec impatience. Il y a The Elden Ring. Sur quoi? Qui sort en janvier. On a en octobre le Dark Picture 3. J'ai déjà été à leur place. On va être plein à craquer. Là, le Kena qui sort, ça va être énorme. Alors, t'as tué beaucoup d'innocents? Oh. Oui. Je prends ça pour un oui. Prends-le comme ça t'arrange. Ah. C'est ici que ces connards dorment. Enfin, dormaient. Oui, c'est sûr. Alors, normalement, je vais pouvoir me refaire un surin. Non, toujours pas. Ok, je suis pleine. Salut Pascal, comment ça va? Coucou Alex, ça va bien? Ah, on va pouvoir confectionner des trucs là. Améliorer nos armes et tout. C'est pas mal ça. Alors... Qu'est-ce que je vais pouvoir améliorer là? Bien sûr, mon fusil à pompe, c'est le principal. Rechargement, cadence de tir, capacité du chargeur, recul, portée. Attends, chaque... Ouais, ça c'est pas mal. Vous permet d'utiliser votre arme plus vite. Ah oui, aussi. Et là, vous permet de recharger votre arme plus vite aussi. Alors là... Hmm.
cadence de tir. Ah ouais, j'en ai. On va pouvoir les augmenter quand même. Va falloir parce que ça m'aide de toute façon ces trucs. Celui-là, je m'en sers pas forcément. Celui-là non plus. Ok. Je vais peut-être faire ça. Peut-être de tir, mais celui-là. On est bon. Ça devrait nous aider. Merci beaucoup, Barthélémy, pour le follow. Alors maintenant, vu que j'ai tout récupéré, où on va là? J'ai pas l'impression qu'ils étaient infectés. Peu importe, ne restons pas là. Très sympathique. Ce petit barbecue. Bon, voilà le pont, c'est notre sortie. Ellie, ralentis, attends-moi. Quoi? Je suis là. Laisse-moi passer devant, tu veux? Et puis parle moins fort. Ok. Ben ouais, on peut t'attendre, meuf. Ouais, baisse-toi, copain. Bon, pour l'instant, ça va. Va falloir que j'augmente ça. Hé, hey, je siffle. Ta gueule. Ah, super. Encore un truc qui va me rendre fou. C'est génial. Alors, fais voir. On est bon. Il y a plein de trucs là. C'est pas mal. Je vais voir. Voilà, on va pouvoir se refaire le surin. Très important ça. Toujours pas. Alors, fais voir. J'ai horreur que quand j'éternue, après j'ai le nez qui est pris comme si, tu sais, tu faisais des allergies. Qu'est-ce qui s'est passé? Tes amis chasseurs ont fait ça? Merci, c'est gentil. Bon, pour l'instant, on n'a pas l'air d'avoir grand monde ici. Comment ça va? C'était quoi? Je sais pas. Ellie, baisse-toi. Où est-ce que t'as appris à tirer? Ellie, vite! Putain, on a encore deux pelins là. Il y en avait plein, et tu les as tous ratés. Toi, je vais pas te rater. Waouh. Arrête, tu me fais peur. Bah, si jamais tu veux des leçons, n'hésite pas, je peux t'aider. Ils sont trois. Ouais, c'est ça. J'en ai vu trois. Qu'est-ce qu'il fabrique? Il devrait être là. Ils surveillent la nationale. Ça m'étonnerait pas du tout qu'ils aient chopé un autre groupe d'intrus. C'est une vraie mine d'or, là-bas. Regarde si tu trouves des trucs dans le coin, en les attendant. Ouais. Y a rien ici. On continue. Merci, Zao, pour le follow. Putain. Putain de merde. Merde. Raté. Tiens. Chopons-le. Ça, tu vas me le faire. Oh putain, j'ai horreur. Il a plus tard. Oh merde. Et merde, je vais crever. Baisse-toi, copine. Baisse-toi et change d'arme. Faire le tour. Oh, t'as pris feu, mec. C'est sympathique. Il est où, l'autre copain? Il est encore vivant, l'autre camp? Non, ils sont tous morts.
Putain, mais après par surprise, ça m'a fait chier. J'avais pas vu que j'avais plus de... J'avais plus de balles, comme une dinde. Bon, attention, c'est bon. Ah, tu sais quoi, on va utiliser une... Attends. Avant que j'utilise une de mes petites machines, là... Je vais regarder s'il y en a pas une. Merci beaucoup, Alex, pour le partage. Y'a rien dans ce bled. À part des briques pourries. Tu veux que je fasse quoi avec des briques? Merci, Gwelor, pour le follow. Ok, Dodoki. Tu fous quoi, toi? Rien à foutre ici. Allez. Ok. Oh, on va rentrer dans la fosse au lion. Ce pont est pas tout prêt. On y arrivera. Wow. Ça fait bizarre de voir un poste de contrôle sans soldats. C'est à ça que ressemble la plupart des zones. Cet endroit est abandonné depuis un bout de temps. Ça nous dit quoi là-dedans? La plus grande bande de bons à rien ayant jamais porté des armes a réussi à nous prendre Troy Hill. Ces enfoirés sont malins. Ils nous ont volé un mortier. On n'avait aucune chance. Entre ça et le Strip District, ils ont le contrôle de toute la rivière. La retraite n'a pas été facile. On a perdu la moitié de notre escouade. J'espère simplement que Jérémy et Pam sont toujours en vie. Ils sont restés bloqués de l'autre côté de la rivière. Ah ben ouais. Pourquoi ils n'ont pas donné à manger? Des fois, ils n'en avaient plus. La plupart du temps, ils la gardaient pour eux. Ça, c'est jamais arrivé à Boston. Crois-moi, ça arrivait tout le temps. Moi, non, je suis pas discrète. Tu le sais, mon petit Greg, depuis le temps. La discrétion et moi, ça fait 200. J'ai réussi à acquérir un peu de discrétion, oui, mais... Dans celui-là, pas trop. J'aime bien y aller à la franco direct dans la ruelle. Bon, j'avais pas prévu de pas avoir de balles. Ne fais pas de bruit pendant qu'on traverse cette zone, ok? Ah ouais, t'as participé à ça? J'en ai entendu parler. Ouais. Ouais, vous voulez pas lâcher l'affaire. J'ai jamais vu quelqu'un comme elle. On a buté tous les premiers nombreux pour ces ordres. C'était un nouveau boss, mais c'est toujours les mêmes conneries. Je sais pas, maintenant qu'on a assez pour garder toutes les sorties, il dit qu'on peut agrandir le périmètre. Et qu'est-ce qu'on va vraiment y gagner? Ils sont trois, là? Je sais pas, on trouvera peut-être de l'essence pour faire tourner plus de générateurs. On les fait cramer? J'aimerais bien retaper un de ces vieux projecteurs pour mater les films, tu vois. C'est des foutaises, tout ça. Merde, y'en a qu'un qui a crevé. Dommage. Merci Maddy pour le follow. Ils sont partis les cons. Je vais plutôt me servir de celui-là. Sur eux. Oh oh oh. Ah oui, sur eux, celui-là, il est très bien. Je te vois. Allez, viens, petit chat. Viens, petite souris. Non. Non. Je pensais que tu allais viser automatique, mec. Raté. Après à viser, copine, c'est mieux. Voilà, c'est mieux dans la tête. Tiens-toi dans le cul. Ok. Ferme-la. Je crois qu'il y en a en haut, non? Je sais qu'ils étaient un peu une panoplie là-dedans. De toute façon, on a le temps de regarder un peu autour une fois qu'on les aura tous butés.
Oh, je préfère la barre de ferme. Ça fait plus de dégâts que le petit morceau de bois. Pour l'instant, on est bon. Je vais voir comment... Oh, putain, merde. Je t'avais pas vu, mon petit gars. Je t'étais bien planqué. Pourtant, j'avais regardé, hein. Avec mon machin. Mais ça t'a pas vu. Faudrait aussi que je l'améliore. Je pense qu'il y a ça aussi. Ces fils de BN. Aucun survivant, aucune pitié. Ah mais ça c'est clair et net. Surtout en plus ils ont brûlé des gens là, ces rats. Zéro pitié. On est tous crevés, bande de lune. T'es où toi, mec? Ah merde. Il est passé au secours. Là. Je t'ai vu. Oh putain, merde. Putain, je l'ai pas vu, lui. Heureusement qu'elle m'a dit Léo. Sur le coup... Ah mais là, s'ils sont à deux sur moi, ça va pas le faire. Là. Il est où ce con? Mais c'est bon, c'est pas possible, je vais pas y arriver là. Je vais crever. Mais voilà, trop tard, fais chier. Ah ouais, mais vous mettez à trois sur moi, les mecs. Tu veux que je fasse quoi? T'en as un qui me prend par le cou et l'autre qui me tire dessus. J'avais pas vu qu'ils étaient autant, ces connons, là. Chocobon. Ah, ils sont pas mal, ces cons. Alors, ah, y en a... je l'ai vu. Je t'ai vu, connard. Ils sont deux. Là. Oh merde. Ah mais cette arme là c'est de la grosse merde. J'ai plus que ça. Oh putain, j'ai plus que 3 balles les gars. Putain de merde. Oh c'est bon. Ok, il est où lui? Il est là. Oh putain. Ah mais oui, il recharge. Ok. Merde, je l'ai pas buté. J'ai vraiment pas raté. Bon, déjà, il y en a moins. On va aller récupérer ce qu'on a récupéré, là. Avant qu'ils reviennent, ces connards. C'est de la triche. Je suis toute seule, moi. C'est 10 millions de cons. Je crois qu'ils sont arrivés par là, en fait, ces cons. Je crois que je les ai alertés tout à l'heure. Joël, là, sur ta gauche. Il est par ici! Là. Ok. Là. Non, merde. Moi, je suis à sec en plus de chez sec. Je peux pas faire plus sec que ça, là. Ah. Okay. Merde. Ça y est. Ouh. Non, ça y est pas. Attention. Putain, il y en a combien? Il y en a deux là.
Ouais. Merde. Oh merde. Cours, baisse-toi. Là, sur ta droite. Ah, mais là, je vais pas y arriver, là. Et ça va pas le faire. Et merde. Putain, fais chier. Zelda, il est pas sur PlayStation, Victor. Et je vais faire comment, moi? J'ai deux trucs qui se courent après. Là, il y en a un là. Je te vois. Merci Juliette pour le follow. Vas-y, passe. Trace ta route. C'est plus que ça. Et je suis dans la mouise, mais dans une mouise. Ok. Combien ils sont, ces espèces de connards? Oh putain. Merde. En fait, il fallait rester en bas parce qu'en haut, ils sont trop... Donc, ils m'ont tous rejoint. Il y avait ceux d'en haut, ceux d'en bas. C'était le bordel, là-dedans. Il y en a encore en bas ou pas? Le truc, c'est que ceux d'en haut, ils peuvent me voir. Bon, le but, ce serait quand même que je me trouve des balles. Là, c'est plus possible. Je suis à Payol. Là, je saurais pas encore te dire, Victor. Je me concentre sur le jeu. C'est un peu compliqué de réfléchir sur des jeux qui peuvent me plaire. Surtout que j'y avais déjà répondu à plusieurs... Il y a un petit moment de ça. Je te dirai un peu plus tard. Mais les Tomb Raider. Pour aller rapide, ça m'est venu tout de suite. C'est les Tomb Raider que j'aime. J'ai déjà fait assez de bêtises. Pas de soucis. Ouais, c'est ça, je sais, mon petit Greg. Regarde, tu as vu, j'ai réussi. Je suis discrète, là. Ah, mais je suis restée en bas, en fait. Le truc, c'est que je pensais pas qu'ils étaient autant en bas, en haut. Je pensais qu'il devait y en avoir peut-être un ou deux, mais en fait, non. Puis après, il y avait un... Mais je pense qu'ils font en haut, et ils montent et ils descendent. C'est con, là. Je vais rester en bas pour l'instant. Je vais essayer de chercher des armes, des munitions et tout. Parce que je suis à Payolette. C'est la grosse merde. Et pour l'instant, ça va. On a buté tous ceux qui étaient... Non. Au moins, est-ce que c'est les ceux d'en haut là qui font du bruit? C'est elle. Elle m'a fait peur, cette conne. Bon, on va monter, on n'a pas le choix. Je pense qu'on est bon.
J'ai quoi là? Je suis à zéro dans les deux sens. Ça va faire mal au cul là. Et là, qu'est-ce que j'ai là? Lui, je suis 13, 2. Ok. Ouais, il y a du monde partout, j'ai vu. De toute façon, c'est comme ça, hein, tu vois. Hein, quand tu te fais buter 2-3 fois, tu commences à compter, à savoir combien ils sont. Et c'est là, après, où tu peux plus facilement les buter. Parce que tu sais à peu près à quoi t'attendre. Alors qu'au début, tu vas un peu à l'aveuglette. Y'a quoi? Est-ce qu'il y a des trucs dehors sympatoches? Non, il n'y a que dalle dehors pour m'aider. Allez, on y va. Trace. Ouais, mais de toute façon, je peux plus rien recharger. J'ai plus de, quasiment plus de balles, là. Bon, je vais regarder dans le coin. On en a un, là. Putain. Je sais pas combien ils sont, mais... Oh, putain! Oh, putain! Hé, hey, abruti! Combien ils sont? Je crois qu'ils sont que 3 maintenant. Donc il n'y en a plus qu'un, je pense. Allez, ramène ta fraise. Pauvre cloche. Allez, choupine. Bye, as de cœur. Merci d'être venu. C'était sympatoche. C'était un risque à prendre. Heureusement qu'il est comme moi, il sait pas tirer le mec. Hein. Oh, il a su tirer. Oh! C'était bien trop juste. Cap sur l'infini et au-delà. Survie à tout prix. Excuse-moi. MVD le réel. Ça va être Starlight. Tu sais, la BD que je lis. Le héros dit ça après une grosse bataille. La survie à tout prix. Ouais. La survie à tout prix. Ok. Ok. Bon, maintenant, on va pouvoir un peu visiter cette petite bibliothèque. À la recherche. Voilà, ce genre de truc. Je vais pas me filer des balles. Bande de rats. Regarde un peu tous ces livres. J'aimerais avoir plus de place dans mon sac à dos. Alors comme ça, t'aimes lire, hein? Oh, tu veux dire quand je suis pas les chasseurs ou les infectés? Ouais, je le temps. On a quoi, là? Donc il y a plusieurs sorties de base. Plusieurs montées, plusieurs sorties. Donc ça, c'est d'où on vient. Mais vu que je suis pas passée par là, voilà, il doit y avoir les trucs que j'avais récupérés tout à l'heure avant de crever. On est bon. Okay. On avait des trucs ici ou pas? Non. On a quand même récupéré plusieurs choses. Donc, il y a plusieurs sorties. Plusieurs sorties, non, je pense qu'il y en a qu'une, mais... Je pense que c'était là, la sortie. Ça me dirait qu'il va ici, toi. Donc, ok. Bon, au moins, je sais que c'est pas là. Parce qu'après, je me dis que... On est bon. Pas de Zulu, là? Non. Après, je pense pas qu'il y ait d'infectés, vraiment, ici, en soi. Je pense que c'est que les mercenaires. Faut vraiment être cinglé pour prendre des soldats. Quand ils sont désespérés, les gens sont capables du pire. Et les gens qui se sont rebellés, c'est ceux contre qui on se bat maintenant? C'est bien possible. Ok. Allons voir où ça mène. Bon, bravo, Mylène, j'ai quand même crevé 3 fois. Hein. Nulle part.
Fais attention en sautant. On est bon, les gars. On a géré. Faut vraiment que j'élargisse ce... Baisse-toi, baisse-toi. Ce truc, là. Ah, où je m'en rappelle. Il y en a d'autres. Mène-toi. Allez, fis son camp. Bye. C'est bon. Je crois pas qu'il nous ait vus. Moi aussi, je m'en rappelle à l'époque quand je l'avais voilà fait. J'étais beaucoup morte quand même. Il veut que je m'en rappelais plus qu'il y en avait autant. Il faut continuer. Allez. Est-ce qu'il y a des trucs à récupérer là? Qui dalle, hein? Par leur brique pourrie, on s'en bat avec de tes briques. Ah, c'est trop loin pour sauter. Ok. Je vais aller chercher le radeau dans cette bouse là. Je crois que tu es sûr que tu te chopes le chikungunya là-dedans. Je vais voir où ça mène. Oula. Ah ben, je pense que c'est les personnes que l'autre, il avait parlé, là, non ? Sur le message, là. Allez, viens, copine. Monte, on passe par l'hôtel. Allez. Ah, en plus, tu fais ta difficile, meuf. Ok. Cale cette planche comme eux. Ah ouais, d'accord. Il y a quoi là-dedans? Ouais. Comment je vais faire pour monter, moi? Ok. Il ne reste plus qu'à trouver un moyen de monter. Si je fais comme ça par là... Non. Je me rappelle plus, moi, de cette histoire. Comment on avait fait? Chelou, hein? Ouais, parce que si je saute là, mais non, ça va pas le faire. Alors attends, il doit y avoir un autre chemin. Par le bâtiment, à la nage. Rentre dans le bâtiment à la nage. Dans le bâtiment à la nage. Sous l'eau alors. Ah non, par là. Attends, j'ai pigé. Non, c'est pas ça. Moi c'est ça. Merci, Barmadi. Oh, le follow. Ça pue ici. Ouais, le bois est pourri. T'allais souvent dans les cafés? Et comment? J'y passais mon temps. Et tu prenais quoi? Bah, du café. Tu voulais prendre quoi, meuf? Que je bois. Ah, mais je vais me refaire ça, parce que ça c'est précieux. Voilà. Precious. Voilà, on est bon.
quoi là dans ce bled pourri? Et là-bas, je peux pas y aller là-bas? Attends. Moi, on va aller faire un tour. Je vais checker s'il n'y a pas des trucs. Voilà. Alors. Ah oui. J'ai bien fait de monter. C'est la caverne d'Ali Baba là-dedans. Cachette. C'est pour ce soir. On va prendre le poste de contrôle et j'ai planqué des réserves au régal. La cachette est marquée d'un X rouge. Ok. La cachette, elle est marquée d'un X rouge. Ok, mec. Ok, donc ça c'est bon. Allez, on se casse. On a tout fait. Allez, c'est bon. Merci, Juvenal. Ces chasseurs sont partis. On va vite le savoir. Ouais, si on se fait canarder, non? C'est bon, Ellie. Descends. C'est chic. C'est chic. Tu es allée dans ce genre d'endroit? Enfin, avant tout ce bordel. On est bon? Non. Non, j'en avais pas les moyens. Ah, oh, ça devait être chouette. Ah! Combinaison nécessaire. Donc il va bien falloir qu'on trouve un truc. Ça doit être ici, hein, je pense. Je parie qu'on peut monter. Non, c'est trop haut. Voyons ce qu'on peut trouver. Il doit y avoir un truc, là. Bah, pour l'instant, il n'y a personne. Ça sera après, je pense. Oh, ça me manque le café. On est bon. Donc, je pense qu'il y a avoir un truc là ici. On va checker là-bas. C'est chelou que j'ai rien trouvé, donc ça doit être peut-être en haut. Il va falloir qu'on redescende, ah, c'est chiant. Pour pouvoir trouver le truc. Ouais, c'est ça, la combi est en haut, ouais, je pense. Je pensais pareil, Alex. T'en montes d'abord pour voir ce qu'il y a là-haut, copain. Il n'y a rien. Au moins, on voit. On sait déjà. Allez, c'est parti. Je pense que c'est là, on va le mettre là, là. Non, elle était fermée, la porte à côté du bar. Tu pouvais pas y aller. Vas-y, pour l'instant, RAS. Fais attention. Là, je pense qu'il y a des mecs, là. Toujours pas ce code pourri, hein. Oh merde! Baisse-toi, baisse-toi! Sont trois. Cinq cette semaine. Mais je me plains pas.
Ça, j'en doute pas. C'est fini? Il y a un dernier étage à fouiller. Pourquoi faire? On n'en voit plus des claqueurs. C'est parce qu'on fait gaffe. On va... Je les ai fait cramoisir. Je sais pas qui, combien, mais... Au moins, ça en a tué quelques-uns. Mais où est-ce que tu te caches? Mais nulle part, mec. Putain, j'ai pas de balle. Voilà. Ok, ils sont partis. Oula. Oh merde, t'es mort en fire. Ok. Récupère ta truc, toi. Ok, là c'est pas mal parce qu'il n'y a rien. Il n'y a pas, pas la possibilité Joël, de. Joël, là sur ta droite. Comment ça sur ma droite? Où ça? Comment? D'où il est sorti celui-là? Ah merde, par là! C'est vrai que j'avais complètement oublié la fenêtre. Comme il... Alors lui il a sauté, il est mort en même temps. C'était beau. C'était très beau. Si j'avais voulu le faire exprès, ça aurait pas marché. Ok. Et là. Je crois qu'ils sont deux. Ouais, ils sont plus que deux. Ça, c'est pas mal. Allez, sors de ta cachette, trou du cul. Va faire le tour, c'est en plâtre. Allez, casse-toi. Oh mon dieu! Il est où cet abruti? Ah, il est là. Putain, mais ils crèvent jamais ces mecs. C'est un increvable ces gars. Toujours pas! T'es sérieux? C'est bon? Il a rendu l'âme? C'est bon. Il doit y en avoir d'autres, mais... Ouh, je sais pas. J'ai plus que 3 balles. Ah, je crois qu'il y avait le code dans les parages. De toute façon, on est bon, là. On va être bueno. On peut pas rentrer dans les chambres, non. Il y en a certaines que oui. Mais on s'en fout de tes briques moisies, là. Tu veux pas nous filer des vraies balles? Pousse-toi. Allez, dégage. Il est où ce foutu code? Oui, des balles. Des balles. Ok. Attends. On sait jamais, hein, je veux surtout rien rater. Alors, c'est par là-bas qu'on doit aller. Merci, Papa Raisa, pour le follow. Et moi, avant de partir dans la suite. Hop, 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 hop. Ah bah oui. Ah bah oui, 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 volontiers. Qu'est-ce qui est arrivé à lui? Il a cramé. Ah mais c'est moi. Je veux dire, c'est moi. C'est moi qui l'ai buté. Ah mais c'est dommage, ça, les cocktails, ça en bute qu'un seul.
C'est nul. Il y a rien en fait. Je vois pas où est-ce qu'il est ce code de merde. Bah on a tout fait hein. Bon on va se casser. Salut Mickaël. Comment ça va? Merde c'est par là. C'est par là. Oh, les cons. On n'a rien là, c'est bon. On dirait la musique de ça. Le... Barre-toi. Hop là. Deux. Putain, putain, putain. Hop, hop, hop. Ok. Ah, il faut être super prêt en fait avec le fusil à pompe. Il y en a encore deux autres. Allez, vas-y. J'ai 3 balles. C'est parti ! Oh putain, Joël ! Encore un. Fais gaffe ! Ouvre-moi ! Laisse-moi ! Mets-toi, mets-toi, mets-toi. Putain, il est là, j'ai pas vu. Il est où ? Mais merde ! C'est pas un malin qui faut buter ! C'est pas un malin qui fait crever, là, toi. Baisse-toi, baisse-toi. Recharge. Faut voler ce con. Ok. Oh, c'est chaud le marron. Ok. Combien ils sont encore un? Il est derrière toi! Où derrière moi? C'est très chiant, elle! Mais y'a personne derrière moi, elle est conne, elle! Oh merde! Ah, oh, mais y'avait pas. Ok, non. J'ai pas conne. Normalement, bien. T'es mort. Fais dodo. Y'a encore du monde ou pas? On les a tous eus. Putain, mais comment ils sont? Ils sont 2000. On est bon. Ouh! Checker qu'il n'y a personne d'autre et après on sera bon. Ouais, ça me remet où on était tout à l'heure. Ok. Ah ben voilà. C'était chaud les marrons. Sur un mur le code. Merci beaucoup Mickaël. Ça va Soussou, tu arrives à la fin. Ben je vais regarder les murs alors. Eh ben on est bon, on est bon, on est bon les amis.
Eh bien les amis, on va se laisser ici pour l'épisode. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, à vous abonner. Voilà, si vous voulez vous abonner, vous avez les abonnements qui sont gratuits, qui vous donnent accès à tous les lives et au chat. Vous avez aussi les abonnements à 4,99€ qui, eux, vous donnent accès, eh bien, au vocal. Vous avez la possibilité d'être sur le vocal avec moi. Ensuite, vous avez la possibilité aussi de jouer avec moi en couple. Nous sommes sur Dark Picture Little Hope avec Sarah en ce moment. Et ensuite, vous avez eh bien, la chance d'être sur une liste de tirage au sort afin de gagner un jeu vidéo tous les deux mois. Donc voilà, notre gagnant du mois dernier, c'est Alex. Il avait choisi le jeu Ghost of Tsushima. On avait aussi Sarah qui avait choisi le jeu Zelda Skyward Sword. Prochain tirage au sort, début octobre. Donc voilà, en attendant, je vous fais tout plein de très très gros bisous. On se donne rendez-vous. Eh bien, pas demain, ce ne sera pas Kena demain. Ça, c'est le planning de la semaine prochaine. Nous aurons le dernier épisode de A Plague Tale Innocence. Et après, on aura du Zelda Skyward Sword, Dark Picture Little Hope et The Last of Us. Et semaine prochaine, nous commencerons eh bien, les Kena. Voilà, je vous fais des gros bisous, les amis. Passez une excellente journée. Bye bye.